Salut la team Boysi, on se retrouve après un match, une demi-finale incroyable entre l'Academic Squad et la Buzz Squad qui était favorite sur le tournoi. Et oui, tous les favoris ont été éliminés. On se retrouve avec coach Abou. Bon, coach Abou, tout d'abord, comment tu vas? Ça va. On a galéré, mais ça va, tranquille. Alors, comment tu t'es retrouvé au Boysi? Comment tu t'es retrouvé sur le tournoi? Bah, ça fait 3e année que je participe. L'année dernière, on a perdu en demi-finale avec deux jeunes toujours. Donc là, on essaie de évoluer pour pouvoir aller plus haut. Et tu as ramené une team de jeunes là, tu te retrouves en finale. Quels ont été les éléments qui t'ont permis d'aller en finale? Notamment sur les matchs d'avant, sur ce match-là? Bah, c'est le travail d'équipe, solidaire en défense. On joue ensemble, c'est important. On gagne un match en équipe avec le moyen qu'on a. Tous les gars sont motivés et voilà. À vous, on a joué pendant longtemps sans salle. Qu'est-ce que ça fait d'être là au Boysi? Bah, ça fait toujours plaisir de venir côtoyer ce tournoi, ça a des grosses équipes. Bah, on a, avec notre équipe, on a essayé d'éliminer un peu les gros. Les jeunes, là, on existe aussi, quoi. Il n'y a pas que des grands. Super. Merci beaucoup, Abou. Bon courage pour la finale. Et on se retrouve l'année prochaine au Boysi. Bah, je viens toujours. Donc là, cette année, je conseille trois équipes. Le Tempête de Sable, l'Académie Squad et l'équipe de Bordeaux. Merci beaucoup, Abou.